こんにちは。親子デザイン工房チャンネルへようこそ。Mon fils Lunosuke a dessiné ce golem qui est fait d'éléments naturels, des arbres, du rocher, de l'herbe. このお腹にあるピンクのやつは、まあ、溶岩で、このキャラクターのなんか命とかそういう感じ。En termes de design, j'ai pas beaucoup de choses à ajouter. Donc mon travail consiste principalement à adapter ces idées, à mettre en scène le personnage qu'il a imaginé. この絵を元にして、お父さんがイラストを描いてくれます。Je commence par faire quelques croquis.Pour m'approprier le personnage, j'ai fait celui-ci pour définir un peu mieux le design et celui-là pour mettre en scène le personnage et créer la composition de l'illustration finale. Petit détail pour donner un peu plus de vie au dessin et aussi pour donner l'impression de grandeur de ce golem, j'ai au premier plan dessiné un personnage qu'on avait créé précédemment qui s'appelle Kaerul.Pour ce dessin, ma technique a été différente de celle que j'utilise d'habitude. En général, je fais mon rough directement sur le papier aquarelle. Cette fois-ci, j'ai fait mon rough sur une feuille très, très normale, une feuille de photocopie. Donc ça c'est mon dessin terminé, mon rough. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est qu'avec l'aide d'une table lumineuse, j'ai placé mon papier aquarelle par-dessus. J'ai bloqué la feuille pour pas que ça se décale au fur et à mesure avec une petite pince. Et j'ai retracé le dessin final. Par transparence sur le papier aquarelle. Et jusqu'à présent, dans mes autres dessins, j'ancrais en fait le dessin avec un feutre. Cette fois-ci, j'ai décidé de garder le dessin au crayon à papier. Donc voilà, une fois que si j'éteins la table lumineuse, vous voyez que on voit le trait au crayon de papier sur la feuille aquarelle, le dessin final.Donc j'ai décidé de travailler comme ça pour ce dessin, pour changer un petit peu. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus léger au niveau du traitement. Et le fait de dessiner au crayon, ça permet d'avoir pas mal de subtilité dans, dans le trait. C'est pas seulement l'épaisseur, mais c'est la densité du trait. On peut avoir au crayon un trait plus ou moins sombre, alors qu'avec un feutre,C'est noir et puis c'est tout. Là, c'est le dessin au crayon final que je vais peindre. Je commence toujours par peindre les couleurs plus claires en premier et je laisse du blanc. On voit là sur la gauche du dessin, j'ai laissé des zones blanches parce que la lumière vient.De côté comme ça et ça laisse des zones très lumineuses sur le golem. Et cette fois-ci, comme j'ai pas ancré le dessin au feutre, donc le trait est très léger, et pour ne pas perdre, pour qu'on continue à voir cette qualité de trait sur le dessin final, j'ai fait attention à pas utiliser de couleurs trop sombres quand j'ai peint cette illustration. Donc vous voyez, tout est assez légerMême les ombres qu'on voit là, un peu bleutées sur les couleurs de la couleur de roche, sur les parties de roche, sont assez légères. Le traitement des briques est très subtil. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les zones claires et les zones plus sombres. J'utilise
un Kleenex pour enlever encore du pigment. Si je laissais sécher tel quel, ça ferait une couleur un peu trop sombre. Donc là, en essuyant la peinture, ça me permet d'enlever encore du pigment et d'avoir des choses vraiment très légères. Le golem est peint et j'attaque le personnage qui est devant. Je vais essayer de faire en sorte que sa silhouette se détache vraiment bien du fond. Je vais le faire en deux étapes. D'abord, je peins les couleurs de base du personnage. Donc, il a une tête bleue, il a aussi du bleu sur ses chaussures. Donc, je peins sa petite poche sur le côté. Voilà, il y avait un peu trop de pigment, donc je l'enlève avec le Kleenex. Son espèce de t-shirt vert. Donc ça, c'est un personnage qu'on avait fait avant. Donc toutes les couleurs étaient déjà définies. Son pantalon violet. Donc je peins comme ça toutes les couleurs de manière uniforme, sans dégradé, sans ombre. Un traitement un peu spécial sur la lame de l'épée. Bon, ça, c'était dans le dessin initial de Lunosuke. Dans son design qu'il avait fait avant, là. Donc, il y avait des sortes de lignes comme ça sur la lame. Aussi le rocher de l'avant-plan et toute cette zone de premier plan, le personnage et le rocher. Je vais maintenant par-dessus rajouter un niveau d'ombre. Donc j'ai créé dans ma petite palette une couleur bleutée et je vais repasser entièrement tout l'avant-plan, le personnage, l'épée, le rocher. Je vais recouvrir toute cette zone de cette ombre bleutée. Ce qui est bien avec l'aquarelle, c'est que c'est une peinture qui est transparente. Donc on peut ajouter des couches comme ça, progressivement, et sans recouvrir. On voit toujours les couleurs que j'avais peintes à la base, les couleurs des vêtements du personnage, mais tout est devenu plus sombre grâce à cette couche supplémentaire que j'ai rajoutée. Et donc voilà, maintenant on a un bel avant-plan qui se détache bien du fond. Ça donne un côté un peu plus dramatique à la scène. このキャラクターがものすごいでかいっていうのがびっくりして、この前のキャラクターは僕が前描いたもので、でまた登場させられて嬉しいです。 Merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit à bientôt pour un nouveau dessin. Au revoir. さよなら。